Normalement sont inscrits dans nos cœurs. Amen. Et on doit penser à tous ceux qui n'ont pas le matériel et qui ont ce chant qui résonne en eux, qui chante et qui chante et qui chante. Et ce matin, on veut être ces adorateurs dans laquelle la louange est inscrite à l'intérieur. Amen. Et qui puissent élever leur voix vers le roi de gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Personne. Alors nous allons chanter ce chant. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Amen. Thank you.
es le seul véritable Dieu. Et ce matin, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, que chaque bouche s'élève ce matin avec celui qui mérite la louange et l'adoration. Parce que ce matin, nous sommes venus lui rendre à cœur encore un culte d'adoration, un culte de louange. Ce matin, c'est lui seul que nous voulons élever. C'est pourquoi encore ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire et l'honneur qui lui est due. Ce matin, nous voulons encore lui dire, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons encore à toi ce matin parce que tu es le seul véritable Dieu. Tu es le seul à voir à qui toutes choses appartiennent, Seigneur. La louange, la gloire, l'honneur, Seigneur, tout est soumis à toi ce matin. Et c'est toi seul que nous voulons élever, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons adorer, Seigneur. Père, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, Père. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'adorer, toi le véritable Dieu. Nous voulons nous prosterner devant le trône de ta grâce encore ce matin. Nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur, toi le véritable, parce qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est digne comme toi, Seigneur? C'est toi seul le véritable Dieu. Et ce matin, Seigneur, c'est toi que nous voulons élever dans nos cœurs. C'est toi que nous voulons élever, Seigneur. Et nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour te dire que tu es le seul véritable. Pour te dire qu'il n'y en a pas d'autre que toi, Seigneur Jésus. Pour te dire, Seigneur, encore que nous t'avons choisi ce matin, Seigneur. Parce que nous savons, Père, que tu es avec nous, Père. Nous savons que tu nous accompagnes, Seigneur, dans chacune de nos difficultés, Seigneur. Nous savons que tu nous accompagnes dans nos vies, Seigneur. Nous savons que tout est soumis à toi encore ce matin, Père. Nous savons, Seigneur, que rien n'arrive, Seigneur, si tu nous le permets, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, avec confiance, nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et nous voulons te dire que tu es le seul véritable Dieu, Père. Nous voulons nous soumettre à ta volonté encore ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, avec confiance, Seigneur. Oh, Père, nous soumettre à toi parce que tu es le seul véritable Dieu. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, être flexible et sensible à la voix de ton Saint-Esprit, Père. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, être soumis à toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin encore te mettre à la première place, Seigneur Jésus. Parce que tu es le roi de gloire. Tu es celui qui t'est élevé au-dessus de tout. Il n'y en a point d'autre semblable à toi, Père. Et ce matin, nos cœurs te reconnaissent, Seigneur. Père, nos cœurs te reconnaissent ce matin comme le véritable Dieu. Comme celui, Père, qui agit, Père. Père, ce que tu dis, Père, tu le fais. Parce que tu ne changes pas. Tu es le même, Seigneur, d'éternité en éternité. Père, ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Ce que ta parole dit, Seigneur, tu l'accomplis, Seigneur, encore dans nos cœurs. Ce que tu dis dans nos vies, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, pour notre église encore, Seigneur. Je sais, Seigneur, j'ai l'assurance encore, Père, que ce que tu dis, Père, ta main accomplit chaque chose, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu, Père. Oh, Père. Merci pour ta fidélité, parce que ta fidélité est grande, Seigneur. Et même, Seigneur, si le découragement vient, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu, Seigneur, tout puissant, Seigneur, que tout est soumis à toi, que ta parole est puissante, Seigneur, que ta parole est vivante, Seigneur, que ta parole puisse encore venir mettre la vie en nous ce matin, Seigneur. Nous voulons te reconnaître, Seigneur, ce matin. Nous voulons vivre cette relation avec toi ce matin, cette intimité avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons rentrer dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons venir, Seigneur, comme des adorateurs devant toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Père, nous nous attendons encore à toi ce matin, Père, parce que tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, d'être avec nous, Père. Tu as promis que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous nous accrochons à toi, Seigneur. Nous nous accrochons à la puissance de ton nom, Seigneur, parce que ton nom est puissance et gloire, parce qu'il n'y a qu'autorité en ton nom seul, Seigneur Jésus. Et c'est ce nom-là que nous proclamons encore ce matin dans nos vies, Seigneur Jésus, parce que tu es le roi de gloire, Seigneur. Ta fidélité perdurera toujours. Oh Père, ce matin, Père, que nous puissions voir avec les yeux de la foi, Seigneur, et ne pas regarder avec nos yeux, Seigneur, charnel, Seigneur, mais que nous puissions voir ta gloire encore ce matin, Seigneur, que nous puissions voir que c'est toi le maître de toutes choses, Seigneur, c'est toi qui contrôle toutes choses, Seigneur, que tout est soumis, Seigneur, à ta volonté encore ce matin, Seigneur Jésus. Père, aide-nous à nous accrocher à toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de marcher avec toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul véritable Dieu. Merci, Seigneur. Jésus, tu es roi. Il a promis d'être
Peace.
cette fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour cette fidélité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce matin, nous pouvons nous tenir debout devant ta présence, Seigneur. Parce que ce matin, nous pouvons nous tenir debout devant ta présence, Seigneur. Et te louer, t'adorer, Père. Être ces adorateurs que tu recherches, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts devant toi ce matin. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es présent parmi la louange de ton peuple, Seigneur. Parce que tu aimes l'adoration et la louange, Seigneur. Parce que tu aimes l'adoration et la louange, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons réjouir son cœur ce matin encore, Père. Nous voulons réjouir ton cœur ce matin, Père, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Toi, Père, qui es le Dieu des miracles. Toi qui es le Dieu des miracles, Seigneur. Toi qui es celui qui agit, Seigneur. Ce matin, Père, tu veux encore te manifester dans chacune de nos vies. Parce que ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur. Et c'est toi que nous adorons, Père. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de louange, Seigneur. À toi, Seigneur, la gloire. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore voir ta grandeur, Seigneur. Nous voulons encore voir, Seigneur, que tu es là, Seigneur, encore ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin encore. Nous voulons te toucher, Seigneur, encore ce matin. Toi qui es le Dieu de miracles. Oh Père, montre ta gloire, montre ta puissance, Seigneur, encore. Que le monde soit les témoins, Seigneur. Que le monde soit les témoins, Seigneur. Oh Père, parce que tu es le seul véritable Dieu et qu'il n'y a personne qui peut se mesurer à toi. Ce que tu dis, Père, tu l'accomplis. Merci, Seigneur. Jésus, tu es roi. Thank you.
Alléluia. Qui croit vraiment que Yahweh est le Dieu des miracles? Qui croit vraiment que Yahweh est le Dieu des miracles ce matin encore? Qui croit vraiment que Yahweh est le Dieu des miracles encore ce matin? Qui a encore besoin d'un miracle dans sa vie ce matin? Qui a besoin d'un miracle dans sa vie ce matin? Alors on va rechanter ce chant, parce que parfois j'ai l'impression qu'on chante les chants comme ça, mais... Yahweh, Dieu des miracles, si ce matin tu as la foi que Yahweh est le véritable Dieu, qu'il est vraiment le Dieu des miracles, que ce matin il peut encore montrer sa puissance, sa gloire, afin que le monde soit les témoins, nous voulons chanter ce chant avec foi, avec confiance, sachant qu'il est le seul véritable Dieu, qu'il est le Yahweh, qu'il est le Yahweh, le Dieu des miracles ce matin. Et moi ce matin je veux croire. Je dis, Seigneur, je crois à tes miracles, Seigneur, parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Je crois à la puissance de tes miracles, Seigneur, et je ne veux pas regarder par la vue, mais par la foi, et parce que ta parole me dit, tu ne changes pas, il n'y a point ombre de variation en toi, tu es le même, parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Amen. Et ce matin, on veut vraiment rechanter ce chant. Seigneur, accomplis ton miracle dans ma vie. Seigneur, accomplis ton miracle dans l'église. Seigneur, accomplis tes miracles dans la famille. Seigneur, accomplis tes miracles dans la Belgique. Seigneur, accomplis tes miracles dans la Louvière, Seigneur. Accomplis tes miracles dans l'Europe, dans le monde entier encore. Que le monde soit les témoins encore, que tu es le Dieu des gloires, que tu es le seul véritable Dieu encore ce matin. Nous allons ressentir ce chant. Yahweh, Dieu des miracles, parce que tu es le Dieu, le véritable Dieu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Seigneur. Oh,
de Dieu, c'est toi. Qui es le véritable Dieu ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions. Seigneur, Jésus, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas poser des regards inquiets, mais de croire au Dieu de miracles. Parce que ce qu'il a choisi pour ta vie, c'est ce qui est de meilleur. Parce que ses plans dans ta vie sont parfaits. Parce que ces plans qu'il a tracés pour toi, c'est là où tu trouveras le bonheur, l'épanouissement, où tu auras une relation avec Dieu. Là où il t'emmène, c'est là où tu dois aller. Mais toi, ce matin, aie confiance en celui qui est le Dieu des miracles. Parce qu'il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Fais-lui confiance. Il dit ce matin encore, sois attentif à sa voix. Ne te borne pas à des raisonnements. Ne te borne pas à des raisonnements, mais plonge ton regard dans la parole qui va éclairer ton sentier, la parole qui va te diriger vers le chemin que tu dois suivre, parce qu'il est devant toi, derrière toi, à côté de toi, et il pose ta main sur toi encore ce matin. Il dit encore ce matin qu'il y a des personnes qui ont des situations difficiles, il y a des personnes qui vivent des épreuves difficiles pour l'instant, mais Dieu est en train de leur dire ce matin qu'il les accompagne, qu'il est avec eux, qu'ils doivent avoir confiance en celui qui est le Dieu des miracles. Et là où les gens ont dit que c'était impossible, et là où les gens ont dit que c'était déjà perdu, ce matin il dit qu'il est le Dieu des miracles, qui est celui qui agit. Il dit que ce matin tu dois lever tes yeux vers la croix, tu dois poser tes yeux vers la croix ce matin, et tu dois mettre tes envies de côté, mais tu dois marcher selon la volonté de Dieu ce matin, et tu dois venir chercher la volonté de Dieu ce matin, et venir au pied de sa croix, et vraiment renouer cette relation, et avoir cette intimité avec Dieu, parce que c'est là alors que tu marcheras, c'est là alors que tu verras que Dieu est avec toi. Il dit ce matin, ne fais pas des préjugés en ta tête, ne te mets pas des idées en ta tête, ne pose pas des plans, ne pose pas plein d'idées, mais laisse le Saint-Esprit te guider, parce que c'est là que tu iras dans la bonne direction. Ne regarde pas avec tes yeux, mais regarde seulement ce que l'Esprit du Seigneur dit, parce que j'ai dit encore que vous ne serez pas orphelins, parce que l'Esprit Saint est en vous, et lorsque l'Esprit Saint est en vous, si vous restez en communion avec l'Esprit Saint, vous serez dirigés par l'Esprit Saint, et parce que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Alors ce matin, il nous encourage tout à chacun à demeurer en relation avec lui, à marcher par l'Esprit, à mettre de côté tous nos raisonnements, parce que c'est lui qui veut se glorifier, et lui seul, dans chacune de nos vies encore ce matin. Il dit que tu ne dois pas t'inquiéter de ce que les gens disent de toi. Tu ne dois pas t'inquiéter de ce que les gens vont dire de toi. Mais ce qui t'importe à toi, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Il dit que la renommée, c'est lui qui la donne. Ne cherche pas que les gens approuvent ce que tu fais. Mais toi, marche en connexion avec Dieu. Et parfois, tu poseras des actes et tu feras des choses que les gens te diront que tu es un fou. Mais tu es un fou de l'Éternel parce que tu suis la voix de Dieu qui te parle encore ce matin. Tu suis la voix de Dieu qui te parle et qui te dit « Viens, mon serviteur, suis-moi. » Suis-moi et laisse-toi conduire par moi encore ce matin. Il dit que là où tous les gens t'ont accusé, là où tous les gens ont dit des choses mauvaises sur toi, ça n'a aucun effet dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait la sincérité de ton cœur, il connaît la droiture de ton cœur, il sait la crainte que tu as de l'Éternel. Et parce qu'il voit en toi cet amour, cette miséricorde, cette crainte qui est en toi, il met sa faveur sur toi. Amen. Mais marche par l'Esprit Saint, ne te laisse pas distraire. Marche en connexion avec l'Esprit Saint. Ne te laisse pas distraire, même si une personne que tu considères te dit autre chose que ce que l'Esprit te dit, ne suis pas, suis l'Esprit Saint, suis la voix de l'Éternel qui te parle encore ce matin, suis la voix de l'Éternel qui te parle ce matin, parce que ce matin Dieu veut que tu vis une relation différente avec Dieu, une relation d'intimité, il veut que tu vis une relation de dépendance que de Dieu seulement. Il dit également qu'il met des serviteurs à droite et à gauche dans son peuple pour que les serviteurs puissent parler. Mais c'est à toi à entendre, à écouter, à saisir la voix du Seigneur qui te parle encore ce matin. Et c'est à toi à venir devant le pied de la croix, t'agenouiller et demander la direction de Dieu par rapport à la parole que tu penses qui est pour toi encore ce matin. Et c'est comme ça alors que tu verras la réussite dans ta vie. C'est comme ça que tu verras encore la gloire dans ta vie.
Ce matin, il dit encore à l'église de ne pas se décourager, mais de rester debout, de rester vaillante, comme des vaillants soldats, debout. De ne pas baisser la tête, mais de lever les yeux vers l'Éternel, parce que le secours vient de l'Éternel, qui a créé toutes choses. Tout est soumis à sa volonté. Et ce matin, il veut que chacun puisse tenir debout, être des serviteurs puissants pour l'Éternel. Il dit qu'il est plus que temps de rentrer dans l'appel que Dieu nous donne. Il est plus que temps de rentrer dans le chemin que Dieu nous a demandé. Il est plus que temps d'être ces serviteurs fidèles qui louent, qui adorent le nom de l'Éternel encore ce matin. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu règnes encore ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur parce que c'est toi qui agis. Merci parce que ta parole est puissante, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu agis, Seigneur. Parce que tu agis dans chacune de nos vies. Il dit également ce matin qu'il y a des gens qui sont tellement découragés qu'ils ont envie d'abandonner par moments, qu'ils veulent tout laisser tomber et revenir à leur ancienne vie. Et ce qu'il dit ce matin, ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Parce qu'il dit, c'est lui qui t'emmène là où il veut t'emmener. Ne te laisse pas avoir, tu trouveras que la mort. Il dit, ce que lui te donne, c'est la vie et la vie en abondance. Reste accroché à l'Éternel, parce qu'il est avec toi, et il t'amène là où il veut t'emmener. Mais toi, sois fort, lis ta parole, ne néglige pas la prière, ne néglige pas la lecture de la parole, parce que c'est ta nourriture de chaque jour. Veille et prie quotidiennement. Amen, Seigneur. Jésus, tu es Dieu, tu règnes. Jésus, agis, manifeste-toi, Seigneur, encore ce matin, et transforme nos vies, Seigneur, parce que tu es roi, parce que tu règnes, Seigneur Jésus. Jesus, I'm
loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois béni, Seigneur. Parce qu'il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu es présent dans nos cœurs et dans nos vies. Sois loué. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.